Salut amis de YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Bassim va partir aux enchères. Bah oui, on aime bien faire des achats, on aime bien les objets d'art. Je vous laisse donc découvrir cela et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo. Pourquoi on ne nous met pas au souk ? Quelques pièces. Le plan est simple. Tu rejoins la vente en tant que marchand et ton vœu est d'acquérir un objet exotique. Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux. Et nous savons qu'ils seront présents à la vente. Elle leur a déjà échappé une fois. Lorsqu'on présentera l'épingle, j'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir. Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier. Je suis certaine qu'ils enchériront pour l'avoir, quel qu'en soit le prix. Oui. Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possible sur ce trésorier, avant le début de la vente. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important, les rumeurs ne doivent pas manquer. La première plume sensible. Ton devoir est de trouver la bonne. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta mission. Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas. Tout cela est bien réel. J'ai bien compris. Le silence est précieux pour le sage. Et bien plus encore pour le fou. Afan Muafakan. Avons-nous vraiment besoin de chance? Karch est en train de pourrir, trésorier. On vole, on extorque les marchands, on malmène les étrangers. La corruption est présente partout. Et tu en es le cœur. Le poison que tu sécrètes emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres jusqu'ici à l'abri du venin de l'Ordre. On dit que tu convoites une épingle. Une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Dairat al-Mal. Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant. Et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre. Kong, j'aurais dû me douter que tu serais là. Ah, tu me connais bien. Viens, il faut qu'on parle. J'ai justement une chose à te demander. Aurais-tu des informations sur le trésorier? Quelqu'un qui travaille pour le califat. Le trésorier? J'ai bien quelque chose, mais tu le sais. Ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement. Que veux-tu que je fasse cette fois? Ah, tu savais déjà ce que j'avais en tête, n'est-ce pas? Tu vois, petit pinson, le Dairat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de Kar, mais aussi, malheureusement, pour les voleurs. Quelqu'un t'a encore volé quelque chose?
Une soucoupe précieuse en porcelaine. C'est Lucas qui l'a. Il a toujours été jaloux de moi. Ah. Et où est-elle, d'après toi ? Je savais que tu m'aiderais, petit pinson. Tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal. Bon, je reviens. J'imagine que tu sais ce qui s'est passé un peu plus loin. Oh, ne me dis pas que ce sont encore Kong et Lucas. Oh non, pas cette fois. Mais deux autres marchands se sont disputés. Ce doit être l'étal dont a parlé Kong. Reste à trouver cette soucoupe. C'est bien le genre d'objet qu'aime Kong. Maintenant, il va peut-être me dire ce qu'il sait sur le trésorier. Des activités suspectes sur les toits.
أهلاً أهلاً موتي يا يمكنك تقديم أهلاً موتي يا دمير Tiens. Le petit pinson a encore réussi. Il ne manquait que cette soucoupe pour compléter mon service. Je pensais qu'elle était à toi. Maintenant, oui. Peu importe. Écoute bien. Je prenais mon thé de l'après-midi lorsque j'ai entendu deux femmes parler d'une commande qu'elles avaient réalisée pour le Dairat al-Mal. Il s'agissait d'une superbe tenue pour le trésorier, avec de fines broderies orientales. Ouvre l'œil et tâche de la trouver. Une tenue orientale. Merci, Kong. Le trésorier est probablement une personne étrangère, originaire de l'Est. Assalamu alaikum. Tu as parlé d'objets chinois, n'est-ce pas ? Oui, mon ami, bienvenue, bienvenue ! Tu trouveras sûrement ici quelque objet qui te plaira. De belles étoffes, aussi douces qu'une croupe de dromadaire. Et rien que pour toi, Yassadeti. Deux achetées, la troisième gratuite. Je dois voir les autres marchandises. Tu aimes ce qu'il y a de rare et de beau, Yassadeti ? J'ai des ornements à vendre, venus de l'Orient lointain. Des vases rares, d'exquises tasses à thé, mais surtout, l'épingle à cheveux. Une beauté si unique qu'elle intéresse même le trésorier. Une épingle, dis-tu ? Où est-elle ? Elle sera vendue aux enchères. Si tu comptes l'acheter, apporte un bon gros sac de pièces. Une épingle, venue de l'Est. Ce doit être l'objet que cherchait Al-Kololo pour le trésorier. Je ne dois surtout pas la manquer lors des enchères. Le trésorier n'apprécie guère les retards, et tu le sais. Je répète. On ne peut pas faire plus vite, Yassaïdati. Cela ne plaira pas au trésorier, ni à moi. Je le sais. Créer un parfum est une tâche délicate. Nous faisons déjà de notre mieux. J'entends bien, mais cela ne suffit pas. Viens, allons parler ailleurs. Ces murs ont des oreilles. Cette femme a parlé du trésorier. Je ferais mieux de rester près d'elle. Le trésorier aime beaucoup la Kina, comme tu le sais. Et personne ne s'agace autant lorsque 3 dizaines de flacons viennent à manquer. Depuis que le port retient les marchandises, la fabrication prend plus de temps, Yassaïdati. Et certains incidents ont également compliqué notre travail. Et si tu me disais exactement ce qu'il nous manque ? Le sang. Noble dame. Le sang est indispensable à cette senteur. Il fait de la quina un parfum si spécial. Il nous en faut absolument. Je vais parler au calife, voir ce que l'on peut faire. Mais la livraison au trésorier prendra du temps.
Ce parfum. Sur les lettres du collecteur d'impôts. Il m'a semblé sentir du fer. Était-ce du sang ? Cette femme doit être une intime du calife. Par conséquent, elle connaît le trésorier. Il faut que je lui parle. Salam alaykoum ya Sayyidati. Wa alaykoum assalam. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre, Sayyidati, à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha et je m'occupe de la célèbre Kina. Oui, oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de santal et, comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang, j'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas? Mais à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte la Kina. Elle aime énormément son aspect mystique, comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie. Oh, il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Basim. Basim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Dairat al-Mal, ya Sayyidati. Ainsi, le trésorier est une femme. Et elle s'appelle Ning. Les enchères, elles vont bientôt débuter. ليس حلاً ذكياً على الإطلاق. ما قيمته؟ إذا أردت المساعدة في التعامل مع الإغريقيين، فخذ معك ذلك الغلام الصامت ثابت. مرحبا السلام عليكم يا ساس نيهاو بونجور Voici revenu le moment de l'année où l'on succombe à ses plus chers désirs, où l'on écoute son cœur et achète ce que Dieu nous propose. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue, estimés clients, au Dairat al-Mal annuel. Première sur notre liste exclusive et captivante d'étrangetés exotiques, une impressionnante statue des Indes. Fabriquée en ivoire par les meilleurs artisans, elle embellira même la plus riche des demeures. Ah, mais regardez, nous avons déjà une enchère. Non, deux. Une fois, deux fois, et une autre. Quelqu'un veut-il se renchérir? Non? Vendu. La statue va donc à cette jolie dame. Ensuite, une pièce d'une beauté éthérée. Cette épingle à cheveux nous vient de l'Est lointain. Admirez les détails du dragon. Un objet de collection idéal, ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur. Alors, combien vaut cette œuvre à vos yeux, Ya Astekai? Une enchère pour le trésorier qui nous honore de sa présence. Ning? Le trésorier. Deux. Quelqu'un d'autre? Hmm.
troisième enchère. Oh, le deuxième surenchéri. Numéro 3, que vas-tu faire? À quel point voulez-vous cet objet, mes amis? Écoutez vos désirs, laissez parler votre cœur. Personne? Alors vendu au bel homme parti. Cette épingle t'appartient désormais, Saïd. Bon, place à l'objet suivant. Et nous vous remercions une fois encore d'avoir fait de ce Dairat al-Mal un franc succès. Puisse votre bourse être toujours pleine et votre cœur languissant. Tu l'as vu ? Ce calme, cette grâce. Oh. لن أمشي كل تلك المسافة من باب تطرب ولا حتى أتعرض لكل رقاصة غريبة كبيرة. بعد أن أحلم برؤيتها قصر، يقال أن العقاب كان قاسيا. في طريق العودة. Rendez-vous avec le trésorier. Écarte-toi. Désolé, mais mes instructions sont claires. Sans broche, on n'entre pas. Sais-tu qui je suis? Il faut que je parle au trésorier. On m'a appelé, convoqué même. Assalamu alaikum. Je suis là pour voir le trésorier. Et à quel sujet? J'ai un présent pour le trésorier, si elle veut bien me recevoir. Seuls les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés à entrer. Sans broche, on n'entre pas. Eh bien, ce fut long. Après quelques minutes de recherche, je trouve enfin la personne à qui je vais pouvoir avoir mes renseignements. C'est une marchande qui se trouve au niveau de la porte sud du bazar. Donc si vous la cherchez, elle est par là. Je vous laisse regarder la suite. Avec tes clients? Oh, pas plus que d'habitude. Ces gens de la pièce d'ivoire, ils se croient dignes de Dieu en personne. La pièce d'ivoire, tu dis? Je ne devrais pas en parler. D'ailleurs, je ne sais presque rien. Est-ce que ça suffit pour des informations? Je ne crains rien à te dire ce que je sais. La pièce d'ivoire est une guilde de marchands, un cercle très fermé. C'est une broche qui accorde à ses membres l'accès à certains lieux. Et comment se procure-t-on cette broche? Il se dit, parmi les commerçants, que seuls les marchands respectés font partie de la pièce d'argent et qu'il faut le soutien d'un autre membre. Ils pensent pouvoir se permettre d'emporter des marchandises sans payer. Tu as déjà vu une arrogance pareille? À Karh, plus rien ne m'étonne. Merci. Sans broche, on n'entre pas. Tu sais bien comment ça marche. هل أنت
Sans broche, on n'entre pas. C'est bien. Toi, attends un instant. J'ai justement laissé ma broche à l'intérieur. Une association réservée exclusivement aux marchands les plus riches. Ce genre de choses était prévisible. De ce qu'il faudra faire. Qu'on les brûle ou qu'on tue leur chien s'il le faut. Entendu, Saïdi. Nous reprendrons ta pièce dans cette échoppe dès demain, quoi qu'il en coûte. Demain ? Et pourquoi pas aujourd'hui ? Quoi ? Chaque jour, vous êtes moins utile que la veille. Et l'avant-veille ! Ce doit être la broche de la pièce d'ivoire. Un ornement brillant. J'ai les deux objets. Maintenant, la garde sera obligée de me laisser entrer. On dit que seuls les morts
membre de la guilde des marchands. مغرم، لكنه لا يزال خارج نطاق الساعة. عندي مبادئ يا صاحبي، وهذا السعر ليس واحدا بالحقيقة، إنهم أفضل زبائن. إسكابساريا، إسكابساريا. السلام عليكم. Encore toi. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? J'ai quelque chose qu'elle désire. Une épingle chinoise achetée aux enchères. Et j'ai aussi ma broche sur moi, là. Très bien. Tu peux entrer. Par ici, Saïd. Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saïd. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. La vérité est multiple. À se demander si tu es aussi expert. Saigne ! Et depuis longtemps. À se demander si tu es aussi expert. C'est un honneur. En effet, Saïd. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. Mais emporte l'assiette hors de ma vue. Peut-être peut-elle servir d'écuelle au chien du souk. Elle est bien trop exigeante. On risque à tout instant de se faire mordre par cette vilaine carne. Tu ferais mieux de parler du trésorier avec un peu plus de déférence. Tu peux entrer. Je ne te connais pas. Mon nom est Bassim. Je suis nouveau à Bagdad, mais un marchand aguerri. Fin connaisseur d'antiquités et d'objets de collection. Tu dois avoir l'œil en matière de détails, alors. Que m'apportes-tu, Bassim? Tu sais très bien ce que j'apporte. Un homme avec qui on ne badine pas. Approche, montre-la-moi. Magnifique. As-tu déjà vu pareille chose? Si parfaite, si délicate. Non, jamais. Mais dans ton cas, cela m'étonne. J'ai en effet une passion pour ces objets. Enfant, mes sœurs et moi attachions nos cheveux avec des bâtons que nous ornions de pierres. Je prétendais que c'était des pierres précieuses. Nous n'avions rien, mais nous avions l'impression d'être riches. On cherche à me voir pour bien des raisons. Conseil, goût du pouvoir, le plus souvent pour une faveur. Qu'es-tu venu chercher, Bassim? Collectionneur moi-même, j'ai beaucoup entendu parler de toi. De ton goût, de ton extravagance. J'aimerais en savoir davantage. Dit-on de moi que j'ai de la chance? Je déteste ce mot. Je suis arrivé à Bagdad en quête de fortune, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, même l'Orient lointain me courtise. J'ai grimpé jusqu'ici alors que d'autres ont abandonné. On craint de s'abîmer les ongles. Moi, je n'ai pas eu peur de quelques écorchures, ni d'un peu de sang. À n'en pas douter, tu as des relations. Tous ces gens qui t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui. Quoi que disent les gens, on ne peut compter que sur soi. Et personne d'autre. Ah!
Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul, car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls. Le bureau. Le trésorier ! Elle est pas ! Garde à l'aide ! Venez ! Ça va mourir ! Basim, tout s'est bien passé? Dans les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme. Ning. Une femme tenant les rênes. Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus haut placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée. À se demander si leur tour est venu. L'ordre n'en restera pas là. S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera? L'as-tu vu? Le djinn.
Il est parti maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. Nous voici à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire si cela vous fait plaisir, cela me le fera aussi, et ça m'aide et ça me soutient énormément, donc n'hésitez pas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, allez, salut!